Roustan Sharipov pour la dernière envolée de ce formidable gala gymnique et acrobatique. En tenue inhabituelle, en short ici pour sa prestation, mais pour un gala, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la difficulté. Après le premier catch-off, qui va suivre le second. Et quelle amplitude. Et le troisième. Et le quatrième. Et on en rajoute. Ah, ça c'est maintenant... une figure bien connue du monde entier, mais la sortie en triple salto. Et une triple salto arrière pour le plaisir des yeux. Roustan Sharipov, il reçoit le témoignage de votre admiration. Une combinaison spectaculaire uniquement pour le spectateur. Ah, le public de Paris et le public de France est ravi et comblé. Regardez cette image impressionnante. C'est quatre lâchers de barre avec quatre catch-offs. Il aurait pu choisir d'autres figures, d'autres acrobaties plus risquées. Mais le fait d'enchaîner quatre catch-offs, tout de même, ce franchissement dorsal à l'écart que vous voyez mieux encore maintenant, eh bien prouve que lorsqu'on est en gala, lorsqu'on est vraiment libéré des notes et des juges, on peut s'exprimer différemment et c'est la raison pour laquelle ce triple salto arrière